Durant ma réclusion, j'ai changé. Toutes ces années de détention m'auront servi à réfléchir. À toutes les convictions qui m'animaient pendant ma jeunesse. La nation renvoie d'abord à un héritage, à une culture élaborée par les gens d'avant nous. J'entends mon cœur qui s'illumine et s'éteint comme un phare. Debout dans le brouillard, des destins abolis. Des idéologies politiques, une mémoire historique. La contrainte des maîtres. Une littérature nationale. Une ethnie coincée est astreinte à une vie diminuée et à la médiocrité collective. Aujourd'hui, il m'apparaît évident que j'ai erré par mon action politique et les gestes qui en ont découlé. Chaque jour sur la terre. Ce peuple dont vous vous revendiquiez n'existe plus. Il s'est fondu de plein gré dans le grand tout nord-américain. Je demande aujourd'hui à l'État post-national des territoires non cédés du Canada et à Sa Majesté le Roi d'Angleterre ma libération conditionnelle. Comment peut-on mesurer votre sincérité? Il n'y a plus rien à sauver ici.